Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici l'ouvre ta boîte du jeu Muse. Alors c'est parti, on ouvre, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de cette jolie boîte, regardez comme elle brille, elle est magnifique. Et bien on tombe sur les règles du jeu et regardez comme c'est rapide, vous avez une fiche tout simplement, recto, verso, et tout est expliqué. Vous voyez ici c'est déjà les variantes 2 à 3 joueurs ou les variantes partie rapide, donc les règles sont très simples et lues en quelques instants. Et on a à l'intérieur des cartes, vous en avez 84 qui sont très grandes et très costaud, et ce sont des cartes que l'on appelle des cartes chef-d'œuvre. Alors regardez un petit peu les illustrations comme elles sont riches, je ne vais pas toutes vous les montrer une à une, mais on est ici dans de très très jolies cartes avec un petit côté un petit peu plus fantastique, un peu moins bon enfant, même si vous avez quand même des choses très colorées, très teintées. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts. On a plein d'univers qui se mélangent dans ces grandes cartes chef-d'œuvre et surtout on va pouvoir les réutiliser dans le jeu pour faire deviner à ses collègues tout un tas de choses. Voilà pour les cartes chef-d'œuvre qui sont elles-mêmes de vrais petits chefs-d'œuvre. Voilà, ça vous donne un petit aperçu des cartes avec l'intérieur de la boîte qui est aussi richement décorée. Et on a, ce qui fait faire tout le sel du jeu, on a 30 cartes inspiration. Et sur ces cartes-là, eh bien, on va vous demander comment faire deviner aux autres joueurs. Donc par exemple, citer un titre de livre ayant été publié. On va retrouver, citer un personnage fictif de n'importe quelle œuvre existante. On va aussi trouver, faites une expression faciale. Et voyez, à chaque fois, c'est accompagné d'une icône qui symbolise un petit peu ce que vous allez faire. Et quand vous avez une note de musique, eh bien, fredonnez une mélodie. Donc, ça sera des façons différentes de faire deviner, accompagné des cartes chef-d'œuvre. Voilà un petit peu ce que vous allez pouvoir trouver dans Muse. Et ici, donc, comme je l'ai dit, vous avez une trentaine, vous avez 30 exactement, cartes inspiration. Voilà ce que vous avez à l'intérieur de Muse. Bien, chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi pour la présentation de ce matériel. Et bien évidemment, je vous dis à très bientôt pour les explications des règles chez Tartampion. D'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien !